C'est une histoire de courage et de sagesse, de conviction et de loyauté. L'épique bande de héros avait accompli de nombreuses quêtes pour leur roi. Ils avaient vaincu la sorcière maléfique et sauvé la plus belle princesse de tout le royaume. Ils avaient repris les mines de diamants royales des griffes d'araignées géantes et de leur reine-mère. Ils avaient libéré le peuple des cinq royaumes du terrible joug du grand dragon blanc. Mais même les légendes vieillissent et les histoires tombent dans l'oubli. Le royaume connut une longue période de prospérité et l'un après l'autre, les héros disparurent. Mais après des années de paix, ils furent de nouveau convoqués à la cour. Les vieux héros auraient une dernière mission à accomplir, la plus épique de toutes. Emmener les princesses jumelles à l'école. Voici l'histoire des vieux héros. Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Has-Been Heroes qui est un jeu d'aventure RPG avec des éléments de stratégie et de roguelike. Alors normalement vous avez vu la petite intro, donc vous avez vu le thème, l'ambiance du jeu, il est vraiment avec un thème léger, il est drôle, il y a de la comédie, ce qui est vraiment appréciable, j'aime beaucoup quand le jeu ne se prend pas trop au sérieux et il arrive avec des voix et des textes en français, donc merci les développeurs. Il y a également pas mal de contenu, donc je vais vous en citer un petit peu, ça représente pas tout le jeu mais ça vous donne une idée. Il y a 36 héros à débloquer, 140 sorts, 230 objets, 230 variations d'ennemis, je dis bien variation car vous allez avoir un paquet de squelettes par exemple, 40 cases événements, donc ça comprend les cases avec des ennemis standards, des boss, des coffres, les cases vides, les endroits où vous allez avoir des marchands, là où vous allez faire des petits concours, enfin vraiment il y en a pas mal. Il y a 12 régions, donc la forêt, ce sont plutôt des thèmes, donc vous allez avoir une forêt gelée, enneigée, vous allez avoir une plaine, des montagnes, la plage, etc. Et vous avez également 10 fins, donc c'est vraiment un jeu qui arrive avec pas mal de choses à faire. Alors, à chaque nouvelle partie, vous allez recommencer de zéro, et ça se termine quand vous êtes mort. Quand vous êtes mort, on récupère les âmes que vous avez récoltées, on les utilise pour débloquer des choses pour les parties suivantes. Donc des objets qui vont pouvoir tomber lorsque vous allez... lorsque vous allez arriver à un marchand ou dans un coffre, vous voyez, donc vous allez débloquer peut-être un meilleur objet qui pourrait tomber au hasard dans la partie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'interface maintenant, parce que ça va pas être évident pendant les combats, car c'est en temps réel, même si on peut... mettre pause plus ou moins. Donc là, vous avez les trois héros, les deux princesses à compagnie. Les chiffres en rouge sont les points de vie. Vous avez le nombre d'attaques, x 3, x 2, x 1. Donc les attaques qu'ils vont faire à chaque fois que c'est leur tour d'attaquer. C'est très important dans ce jeu-là, car ça va décider à quels endroits vous allez utiliser et à quel moment vous allez utiliser vos héros. La barre rouge représente les points de vie. Le point vert représente les points d'endurance d'après le jeu, mais moi j'appelle plus ça des points de bouclier. Car en gros, ça représente le nombre de fois que vous pouvez être attaqué avant de perdre des points de vie. Donc lui peut être attaqué une fois, et la suivante doit lui faire perdre des points de vie. Lui peut être attaqué deux fois sans perdre de points de vie, et la troisième, voilà. Donc vous, vous ne les récupérez pas, ces points. Les ennemis les récupèrent très vite. Vous, il faut arriver à un campement pour les récupérer. Donc vous avez un gros désavantage hein, par rapport à ça. Et le cercle vert, là, représente le fait que l'attaque est prête. Quand vous attaquez, le cercle devient vert, et il se remplit petit à petit. Là, on a l'inventaire, donc vous recommencez toujours avec la même chose, avec vos héros. Donc elle a une dague de voleur qui fait 25 à 35 points par coup, 15% de chance de coup critique, et les sorts se rechargent 25% plus rapidement. On va trouver des choses donc en se baladant, et ça va prendre un des slots en emplacement. Attention, dans le jeu-là, vous pouvez pas échanger le matériel entre vos gars, même les sorts non plus. C'est le gars qui ramasse le sort ou le matériel, le matos, qui va l'équiper. Donc faites attention avant de le mettre. Et chaque héros vient avec un sort spécial, et après il peut équiper ce qu'on veut. Donc je peux lui mettre à elle des sorts de magie, même si c'est une voleuse. Et en fonction de là où on les place, il y a des avantages. Donc là on a le premier slot qui n'a pas d'avantage, le deuxième on n'a pas. Le troisième par exemple va me permettre d'appliquer une amélioration sur tous les héros plutôt que sur ma cible. Donc comme ça tout le monde l'a. Voilà. Par contre lui, vous voyez, le gros n'en a une qu'au quatrième tour, enfin quatrième sort. Voilà. Donc je pourrais pas...
pour les équiper, je veux dire, ça se met dans l'ordre. Hein. Je choisis pas où ça se met, bien entendu. Deuxième vient là, le troisième, quatrième, cinquième. Là, on a les deux princesses. Elles ont reçu chacune une orbe. Elles vont pouvoir absorber les âmes des méchants. C'est ce qui va vous permettre de débloquer des choses à la fin de la partie. Quand l'orbe est pleine, vous pouvez utiliser donc, les âmes pour remettre à zéro le chargement d'un sort. Ou alors vous les gardez et elles vont être comptabilisées, mises de côté pour votre partie suivante. Là, on a les points de bougie. Alors, très utile, car quand vous vous déplacez, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Donc, si je viens là et que je veux revenir ici, je vais devoir claquer une bougie. Car c'est un endroit que j'ai déjà visité. En gros, la logique du jeu, quand vous êtes allé à un endroit, il n'y a plus de lumière. Pour vous retrouver, il faut une bougie. Voilà. Si vous n'avez pas de bougie, c'est game over. Vous avez perdu. C'est comme si vous vous êtes tué en match. Et d'ailleurs, donc, si je suis là et je viens là, il m'en faudra une deuxième pour venir là, car je l'ai déjà visité, cet endroit-là. Là, on a l'argent et on a les clés. Voilà. Donc désolé, ça a pris un peu de temps, mais il fallait que je vous le dise. Pendant le combat, c'est pas possible, car les combats sont très durs. Alors, j'ai 1:30, là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre pause. Boum. J'ai 1:30. À la fin de la 1:30, les ennemis vont fuir, donc je dois les tuer avant. Et donc, on a différents types d'ennemis, là. Donc là, on a les plantes. Elles ne bougent pas. Moi, j'avance vers elles, mais elles ne bougent pas. Eux, par contre, vont venir vers nous. Donc lui, il a 3 points de... Comment dire ? Il a 3 points de bouclier, donc d'endurance, donc ça veut dire que si je veux l'étourdir et commencer à taper sur sa barre de vie, il faut que je lui fasse 3 attaques. Attention, si je lui en fais que une attaque, il perd un bouclier et il en a les deux qui sont gardés ensuite. Si je lui en fais 4 d'un coup, donc 1, 2, 3 et j'ai une quatrième bonus avec la même attaque, eh bien il va avoir qu'une attaque qui va lui faire perdre des points de vie, il va être repoussé en arrière et il va récupérer tous ses points d'endurance, de bouclier. Donc voilà, donc il faut le mieux l'étourdir, comme ça il reste sur place, donc lui faire 3 attaques exactes et balancer un gars qui fait beaucoup de dégâts derrière. Lui n'a pas de bouclier, et lui il en a que 2. Ok, donc alors on est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais... on va devoir l'étourdir, bon allez, hop, on va le faire comme ça. Toi je te mets x2 en attaque, donc lui il va en faire 6. Donc là vous voyez, hop, je change, boum, maintenant il est étourdi, et donc maintenant je peux lui faire l'attaque. Et on y va, boum 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 boum, 6 attaques et on l'a tué. Parfait, parfait, parfait. Donc là, ce que je vais faire, lui il a 2 points de bouclier, donc je vais préparer, je vais mettre mon gars là, et une fois que sa barre va être rechargée, on va l'étourdir. Ok, on est parti. Voilà, là étourdi, j'envoie celui-là. Boum, grosse attaque, on l'a tué. Et bien toi, à ton tour, tu commences à toucher celui-là. Alors. Une chose, je ne peux changer de position mes gars. Que quand on est en pleine attaque. Par exemple, quand j'attends que ça se recharge, je peux pas les bouger. Donc ça voulait dire que eux, tout à l'heure, ils étaient rechargés, ils pouvaient attaquer, mais il y a personne sur leur ligne, donc je pouvais rien faire. Je devais attendre que lui, qui était sur cette ligne noire, là, soit prêt. Ok, alors bah tiens, on va tuer lui, hop. Et également, je peux bouger mes gars que dans le cercle jaune, vous voyez. Donc si jamais je veux amener un gars au milieu, il faudrait que je bidouille avec les personnages pour réussir à mettre le cercle jaune au milieu. Donc c'est pas pratique, ça. Ah, mais bon, c'est comme ça. Il y a un ennemi qui se ramène. On va te finir avec ça. Donc lui est tué. Et je vais l'étourdir avec lui avec le gros. Ouais, juste pile 1. Parfait. Donc là il est étourdi, il peut rien faire. J'attends que ça se recharge. Vas-y. Boum. Ça s'est rechargé avant qu'il... avant qu'il ne se réveille. Par contre, regardez. Ah, ok. J'ai fait une attaque tellement forte qu'il a perdu son point d'endurance. Génial. Toi. On change. Toi tu vas là-haut, toi tu vas là. Et donc lui a 2 points, donc je vais préparer le tour suivant en mettant lui là. Parfait, donc ça on va le stun. Donc là le combat là j'ai de la chance, le combat là est pas trop dur. T'as pris cher, et lui n'a pas de bouclier donc je peux y aller direct. Génial. Tu attaques, tu le stun. Ouais, moins point, 1 point d'endurance. Donc lui va avoir un de bouclier en moins pour le tour suivant. Bon, toi on va te finir. Voilà. Alors lui là-haut. Stun. Génial. Ah bah tiens, là j'ai pas beaucoup d'ennemis, ce qui est tellement rare. D'habitude je suis submergé par les ennemis. Alors là, ouais, là c'est plein, je peux l'utiliser pour remettre à 0 un sort, mais ça sert à rien. Bah tiens, tu fais ça, tiens, je vais tester ça pour voir. Ok, c'est immunité contre une attaque, même les attaques magiques, c'est ce que je voulais tester.
Oh, c'est même limité sur le temps, d'accord. Et je dois attendre, s'il est dans les airs, je dois attendre qu'il touche le sol avant de faire une attaque suivante. C'est pour ça que casser le bouclier avec plus d'attaques que nécessaire est pas bon, car vous minimisez les dégâts que vous pouvez faire au gars. Et on a gagné. Et on a gagné 25 pièces d'or sûrement, car on a éliminé tout le monde. On est à 375 et on va à la suite. Alors, quel chemin je vais prendre? Tac, tac. Si je fais ça... Si je fais 2, ça revient à peu près à la même chose en fait. On va passer par là. Tac, tac, comme ça après je pourrais choisir, vous voyez, lequel des deux je vais prendre. Ok. Donc là on est vide. Et une bataille. Alors on regarde un petit peu. Et là, je les ai mis en feu. Toi, je t'ai fait un petit peu mal. Là, on échange. Ah oui, oui, bien sûr. On stun. Toi, tu viens. Boum! Génial, génial. Attention, là, ça arrive déjà. On lui fait mal. Toi, t'as qu'un. Moi, je suis désolé, je vais devoir... Voilà. Et là, j'ai mis un sort qui fait qu'à la première attaque qu'il reçoit, il est glacé. Et l'avantage du glacé, c'est que je vais pouvoir le détruire si j'arrive. Yes! Voilà, j'ai pu faire très mal. Toi là-haut, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, tu vas venir. On les enchaîne. Ouh, lui, il est avec un bouclier, zut. Et par contre, il est stun. Je vais les repousser un petit peu pour gagner du temps pour que mes sorts puissent se réactiver. Okay. Ah, c'est, je l'ai mis sur le mauvais. Ça devient chaud là. Ok, lui au moins il stun. Reviens vite. Voilà, ok, j'ai pu faire un peu de dégâts. Bon, bah. Ah. Et on va le stun. Ouh, juste avant qu'il puisse faire son attaque. On va changer. Voilà, celui-là va se faire attaquer, je vais rien pouvoir y faire. Mais il a 2 points pour encaisser les dégâts. Regardez, elle est trop tard. Hop. Génial. Toi. Je vais essayer de le faire que tu. Génial, on l'a tué. Lui, on va devoir le stun. Descends. Ah, il se fait attaquer, c'est pour ça qu'il peut pas. Toi, tu peux y aller, toi, tu peux y aller. Bon, lui, il a plus de bouclier. Pas cool. Ah, toi, t'en as pas non plus, donc tu vas prendre cher. Oh, purée, mais qu'est-ce qui se passe là d'un coup là? Pourquoi il y a autant de gars? Là-haut. Il reste 24 secondes à tenir. Oh, un gros paquet de gars. Je pense que ça va les tuer pas mal. ...19 secondes. Éliminé. Ah, toi. Éliminé.
On l'élimine. Ah, toi aussi. Mais là, ça se joue à quelques secondes près. 9 secondes. Est-ce que t'as... Oh purée. Allez. Non. J'aurais pu à 2 secondes de la fin. À 2 secondes, alors là j'étais vraiment déçu. J'aurais pu en plus survivre là, ok. Vous voyez, j'ai eu un combat très simple et j'ai un combat très difficile. C'est pas la première fois que je joue non plus, j'ai déjà réussi à passer nombreuses fois le premier boss. Et bah là, je me suis fait balayer, bah j'ai pas eu de bol, hein, ça arrive. Le jeu est pas mal difficile, donc je sais pas si je voulais... si je vous dis, il offre pas mal de challenges. Et là, du coup, c'est la première fois que je finis une map là où j'ai pas pu débloquer le coffre suivant. Mais à chaque fois que vous débloquez un coffre, le nombre d'âmes nécessaires pour le suivant augmente. Donc, ben, on est reparti. Alors, qu'allons-nous avoir ? J'y arrivais. Donc là, on est... Ok, je l'ai très souvent, celle-ci. Dans la forêt enneigée. Alors, quel chemin prendre ? Ouais, je peux pas aller vers le bas, sinon je vais rater la majorité des choses. Ou alors je vais y aller pour vous montrer le boss peut-être. Je sais pas si j'aurai le temps. Ouais, alors on va tenter d'aller vers le bas pour voir si on arrive à arriver au boss et si je meurs pas avant surtout. Ok, alors. Tac, tac. On change. Boum, 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 boum. On l'a éliminé. Et on va taquiner les plantes en haut. Toi, on va être là comme ça. Parfait. On va garder le feu au cas où. Toi là-haut. Je vais faire ça juste pour te stun. Ah zut, j'ai fait trop. J'ai trop fait. Lui, il a sorti quelque chose qui aura invincible. On va attendre que ça parte. Il a deux, donc je vais l'attaquer avec lui. Parfait. Boom, boom, stun. Toi. On va le mettre sur nous-mêmes. Comme ça, on fait un enchaînement. Au revoir. Toi. Allez, vite. On tue la plante si on peut. C'est fait. Il arrive, il est glacé, donc en plus en étant glacé, il est plus sensible aux dégâts forts. Ah bon, bah toi je vais juste t'attaquer pour te repousser, parce que je peux pas faire autre chose. Toi j'ai peut-être tué. Non, pas pu tuer, zut. Toi. Tu prends cher, toi tu le repousses. Ah zut, je me suis gouré de gars. Double attaque comme ça. Boum boum, tu le tues. Tu le tues. Et avec un peu de chance. Ouais, je crois qu'on l'a eu. Non, on l'a pas eu. C'est pas grave. On a pas mal d'argent. On a pas mal d'âmes. On est tranquille. Suivant. Vendeur de sorts non élémentaires. Ah oui, celle-ci, la petite roulette. Bon, on paye 200 et on a un sort au hasard. Ah, celui-là, je l'aime bien, ça me remet mon attaque à zéro. Alors, je vais le prendre, donner à lui parce que lui, il recharge plus lentement. Donc, quand j'utilise cette compétence, le cercle vert là pour l'attaquer à nouveau est considéré donc validé. Voilà.
et on peut attaquer tout de suite. Alors là, on a un serrurier, donc on va pouvoir acheter des clés pour ouvrir des coffres fermés. Donc on a plusieurs types de coffres. Il y a plusieurs types de clés, d'ailleurs, au passage. Celles-ci sont les plus courantes. Il y en a une autre qui coûte 150 d'or, mais j'ai pas encore trouvé de coffre qui allait avec. Ok, donc on achète une, on peut en acheter d'autres, mais je vais faire avec. Ok, bah tiens-toi. Tu es stun. Je vais faire en sorte que on tue. Boum boum, double attaque. Toi, tu vas le repousser. Ok, stun. Plusieurs. On remet le feu. Tue-le. Tu remontes, tu lui un petit peu mal, et là on va faire un petit peu taquiner, hop, on va mettre ça, donc lui dès que je vais le toucher il va être glacé, là je l'ai pas touché, j'ai touché la plante, voilà, il y a un peu de temps. Ah zut. Ça va la repousser du coup. Tac tac. J'ai rien d'autre. Ok, toi tu vas l'utiliser tout de suite. Et tu réattaques. On s'en sert tant qu'on peut. T'es stun, c'est lui qui va attaquer ensuite. Parfait. Je m'en sors bien alors. Bon, j'aimerais bien que ça soit l'autre princesse qui absorbe un petit peu les sorts, s'il vous plaît. Ah, zut, oui. J'ai pas le choix, je vais l'attaquer avec lui. Je balance en arrière et on va finir celui qui est derrière. Tac tac tac. Oh, ça va peut-être pas être assez. Et là, j'aimerais bien les changer de place, vous voyez, pour lui, mais non. On va en tuer un. Ok, tu m'en mets sur toi. Stun. On en prend moins. Et là, je crois qu'on l'est fini, là. Ok. Ça se passe ok, à peu près. Alors, on va quand même monter en haut, quand même. Je me dis, tac, tac, tac. C'est ton vrai ennui. Pardon, pardon. Camp d'endurance, mais finalement on n'en a pas besoin du camp d'endurance, donc on va au boss direct. Alors je vais perdre, hein. J'ai pas suffisamment de sorts, j'ai pas suffisamment d'amélioration de matériel, j'aurais dû prendre le chemin d'en haut pour pouvoir vraiment, comment dire, avoir suffisamment de choses pour être prêt pour le boss. Pour être franc, je vais probablement mourir, même en étant prêt, j'ai une chance sur 3 de passer le boss, tellement il est dur, ils sont durs. Et il n'y a pas toujours les mêmes boss, hein. Ok, oh purée, pas lui. Ok. Lui va faire apparaître plein de squelettes. Et je vais devoir le tuer lui. Et il va avoir une énorme barre de. Vous voyez? Une énorme barre. Donc il va avoir une grande barre plus les 4 points là. Qu'il faudra virer avant de pouvoir lui faire du dégât. Et en même temps, il fait pop des squelettes dans tous les sens. Donc c'est affreux. Alors, on va déjà te glacer là. Tu vas venir là, et toi tu vas venir là, tu vas faire un peu de dégâts. Ok, il est repoussé. On va stun le gars là-haut. On va te tuer avec lui. Attends. Voilà, on va arrêter le feu. Ah zut. Avec toi, on va virer ta barre.
Boum. Mais bon, on a d'autres squelettes à virer. Lui revient, toujours avec sa barre super longue. On va. Non, je me suis. Ah, je me suis bourré. Pas grave. Pour pouvoir échanger. Parfait. J'essaie de les repousser, ouais, juste pour voir. Et... tu fais ton attaque. Oh, il a été rejeté! Zut! Ok, j'attends qu'il revienne. Ça arrive là. Ah, maintenant on va trop pousser. Non, regarde. Bon, il met un peu trop de temps à revenir, ça embête. Ok, il va attendre. J'espère que je vais pas le tuer. Ça, c'est ma dernière chance. Non, ça va pas le faire. Ok. À ton tour, lui a pas été rechargé encore. Non, je vais pas pouvoir le faire. Ah, ça a compté comme. Ça l'a compté comme s'il avait touché mon gars. Ah. Ok, voilà, c'est fini. Hein. Ah, là, je vais te prendre, c'est fini. Et on va le changer. Ok, voilà. C'est dommage parce que le boss était presque terminé là, vous voyez. Il était presque terminé, j'aurais eu un quart de seconde de plus au dernier passage où il a touché mon gars. J'aurais survécu. Mais bon, bah, je l'ai pas eu. Donc voilà. Alors, donc là, on a débloqué un coffre. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître la partie suivante? Il y a ces deux choses, donc ça ne me dit pas ce que c'est. Il faudra le trouver en étant dans le jeu. Et donc, je peux recommencer une nouvelle partie et retenter ma chance et d'aller peut-être un petit peu plus loin en ayant plus de choix dans ces petits coffres. Voilà, merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.